yɛrɛ kan o parce que degun o degun b'anw kan min ni ka degun don an tɛ ka ji ɲuman sɔrɔ anw musow de bɛ ka kɛ cancer de uterus ye tɔ ye min ni kɔlɔlɔ kama an de bɛ k'an denw wolo k'an kɔ don an denw na an de bɛ k'an denw wolo denw bɛ k'u kɔ don an na an de bɛ ka jardinw tigɛ badaw la u y'a jɔnci k'a hɔrɔnci a place t'anw bolo tuguni an ye formation demande min fɛ ka formation demande min fɛ a yɛrɛsi filɛ nin association ba danbe tɔgɔ la n k'an mago tɛ k'a fɔ mɔgɔ ka bɔ yɔrɔ la ka na an musow former an bɛ se k'an yɛrɛ former u m'a kɛ a filɛ nin u m'a k'an ye ala kɛ min ka kɔlɔlɔ de b'anw kan parce que ni min taara an musow bɛ kɛ cogo di. Bitikoli ye réalisation dɔ k'a kɔnɔ n'aw taara y'aw b'a lajɛ mais ni ko kɛra cogo o cogo ni ko ɲuman fana kɛra o fɔ quoi o ye hɔrɔnya ye o ye hɔrɔnya ye ne b'o fɔ o tɛmɛ kɔfɛ kɛɲɛba zenesi de wulila ko tabakoto ni kɛɲɛba sira man ɲi ko tabakoto dugukɔnɔna man ɲi kɛɲɛba dugukɔnɔna man ɲi an ye min tigɛ an ye min paralysé pendant 24 heures alhamdulilayi o sira bɛ ka réalisé donc je pense que kɛɲɛba zenesi nafa dɔ b'a la. An tilala ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ka directeur wele ka na fɔ commandant fɛ nɔ k'a fɔ an bɛ fɛ développement communautaire la min bɛ la a bɛ yɔrɔ bɛɛ la mais fo tabakoto t'a la kɛɲɛba communauté mɔgɔ t'a la wa an bɛ fɛ mɔgɔ dɔ ka k'a la directeur y'a fɔ a ɲɛna ko ni ala sɔnna k'a bɛ kɛ mais an ni bi cɛ a ma fɛn fɔ mais an kɔni fana bɛ deux semaines d'u ma an bɛ kɛɲɛba commune bɛɛ lajɛ deux semaines ni ala sɔnna an fana bɛ tabakoto paralysé parce que o ma kɛ. O tɛmɛ kɔfɛ. An ka tila ka kuma alors que an ka kuma min mɔgɔw ye dɔrɔn ma an ka kuma yɔrɔ fo ne ɲa an ka kɛɲɛba an ka mali yɛrɛ direction de travail parce que an ka mɔgɔw bɛ gɛn baara la kɛɲɛba i ma deli ka mɔgɔ si gɛnɛ ye baara la k'a taara kayi inspection de travail la k'a ye jɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ min de ye jɔ sɔrɔ a ma deli ka kɛ a ma kɛ donc f'an k'a ye dɔn k'a fɔ u kɔrɔnpilen de don ne tɛ maloya n t'a fɔ n tɛ siran n t'a fɔ u kɔrɔnpilen de don. Parce que nous taara kuma min mɔgɔ bɛ taa fɛn dɔ de d'u ma donc an ka minnu bɛ baara la n'u bɛ k'u dahirimɛ ni sɔrɔ u b'olu gɛn et an bɛ kɛ cogo di kɛɲɛba ye anw de ta ye c'est vrai les mines c'est des sociétés privées c'est des commerçants mais il faudra aussi respecter la communauté kɛɲɛbienne il faudra aussi respecter les villages environnement des sociétés minières mais les gens le savent d'ici tabakoto voilà l'état de la route d'ici fadou voilà l'état de la route an tɛ se ka fɛn yɛrɛ kɛ parce que an ta t'an yɛrɛ ye n'an wulila ka m'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i b'a sɔrɔ sini u bɛna an bugɔ ko parce que k'an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini an b'an kankari da u ye kayi raison na kɛɲɛba cercle dɔrɔn de bɛ yen ni courant tɛ yan kayi raison na kɛɲɛba cercle dɔrɔn de bɛ yen ni ji tɛ yan an fana y'a fɔ à partir du mois de novembre on va faire une consultation avec les différents conseils locaux de la jeunesse notamment kayi. Kita, Jema, Yelemani, Baflabe et Nyoro du Sahel. Pour que Angase Kasuba y a d'orete, Kelembe, Kenyeba, Mali, Fambe, Fesanu, Beboro, Roha, Kelebe. Kodo de Be, Anga Jamana, De Masika, Famo. Amba fa fanga, 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 Jamana population rede fanga yo. Nan fara la nyonka. Mohamme fanga la nateka Jamana sago ke amba la tra. Okere yon. Bon, an b'a fɔ ko fanga k'a sɔrɔ anw yɛrɛ de ye fanga ye donc fadenya ni juguya ni bɛnbaliya mun ni mɔgɔ dɔw bɛ yen o bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ walasa an kana se ka ɲɔgɔn faamu ka fɛrɛ jamana in ma il faut que an k'an jija k'o de dabila an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ kelen ye tɔnw ni association fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ jamana in kɔnɔ yan fanga b'a bɛɛ la n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ fanga belebeleba kelen de ye y'a faamu ka se ka jamana in bɔ nɔgɔ la y'a faamu. Tɔɲɔ min bɛ kɛɲɛba kan a bɛ yɔrɔ bɛɛ ne yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na sanu bɛ bɔ yen an ka cɛba dɔ bɔra yan sisan n'o kuma la n'o ye Faraba Layi Kuyate ye ale fana b'o kɛlɛ de la ale bɛ bɔ dugu min na ne yɛrɛ fana b'o dugu de kɔnɔ i y'a faamu. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ kuma jeunesse de fɛ n'i bɛ so jɔ i b'a daminɛ cogo di i tɛ soubassement de kɛ wa n'i ma soubassement kɛ so ɲuman bɛ jɔrɔ wa mɔgɔw bɛ étage jɔ k'u bɛ soubassement kɛ béton ye. Bon, jamana béton ye jeunesse de ye n b'a ɲini jeunesse fɛ a ye sunɔgɔ dabila mali jeunesse bɛ sunɔgɔ la dusu t'o la.
okonona la anga bara ukono anana ye wakati do la kuna hakanyini wakati chuko be achama na anyini chuko chama fe ambe kololo do sro ala kololo mini abeka nimisa ye anyere ka nyetra nyini konona fe aketo achama animisa benase ama okono anye ochama unye kalatike chuko mi anga tonye kulu dogla ka fwa ma ko comité de crise no siglendo anga kulu kono anye sinendo muna ka kuna foni untomo kuta ka dona e comité kono ka barake ala ka kuna foni jonjon yini ka labo yasa anga jeka haklina sro ka decision do ta ka la yini ke sira fe yasa anga la yini umbe sira sro tuko mina ka abuti tuko mi o comité siglé anga kulu kono nala en wulila o de la kanin ki baro ay meko ni mbe kenye baya an sera gouverneur makafo anga comité ka bara kono nala ni yoro ba kono ambe ko yena ka se ka ke basiye sigida kono yena ka se ka ke basiye anga si region kono otuma ami fe ka wuli kana kuna foni falen falen ani nyogonte e gouverneur ko kafo o koni ye ale ka heredi na soro kulube adama dinya kulube ni mbe se ka ko kati fara akulu nyogonka ka se ka bara u la trasira do fe non te bella jele sigile no nyetra ko okumun kama otuma ale ko aka deme banye aka soutien banko anye kono wuli ode kama lo kele bu me kenye ba yambi ambe ka kele la se nye la mama lo o e nations unie ulute anga kame ka sababu ke muye gele ya mumba kambi nawe nyefela ifleya professeur abdoulaye nyang ay tableau do ke nyefela ina ya nawe afrique carte laje aw baye ka fo djugu koro na folo bogo baden de be farafina nga na fara ko anga do soro kono aw nde ya bella baye o sababu ye muye banque mondiale fmi ani mamunu do na yurku kono ulu sababu la maliam be no munu farala ma werawka ka dafri andala obato anga indice de développement humain na chogo ya tambulu chama be ka foko sharia nga sharia be ta jon kama aw de kodo aw de fana ba yelema ni sharia kolontara politician be ya ba nyado ambe sharia yi yelema ka ke jamana de usaboyi anina na bi professeur nyang togola ka yirawla ka fo samuga nyini ni kononana o resultat de ba ambulo bi ka la se awma o sababu la amba fo nazara kana pour que nyé mo ka fa bu ka don ka fo kenye ba kununa mali kununa afrique kununa donc je vous remercie de votre aimable attention je suis Boubacar Bokoum membre du directoire du centre d'études stratégiques Séné de la structure de Djogoni Maya Blo. Suivant le pacte international, il est dit par les Nations Unies, après une négociation de 10 ans jusqu'en 1976, un pacte sur lequel le Mali a apposé sa signature et ratifié. La convention d'exploitation des mines d'or signé sous la transition de Amadou Toumani Touré, nous a mis dans le gouffre. Et nous avons demandé aujourd'hui que la transition actuelle nous sorte de ce gouffre. Ça veut dire que dans la convention type, l'article 20 de cette convention nous a expropriés de nos terres, nous a expropriés de nos droits de propriété, de nos droits de ressources et de nos droits de richesse sur nos terres. Ça veut dire que une maman qui était sur une portion de terre, pour la cultiver, aujourd'hui on l'a encerclée, on l'a donnée à Randgold ou à Somilo. Donc on vous prive de vos droits de jouissance. C'est ça notre combat. Le droit de jouissance nous permet aujourd'hui de dire que la région de Kenyeba, certains seront surpris quand je parle de la région de Kenyeba, mais nous sommes dans une logique du fédéralisme issu du processus d'Alger qui fait de Kidal une région État. Alors si Kidal est une région État et que dans l'avenant de l'accord du processus d'Alger, Kidal a 20% de ses ressources, alors pourquoi pas Kenyeba
Pourquoi pas Kenyeba? Donc nous avons fait l'analyse géopolitique et géostratégique qui consiste à dire que la position de Kenyeba aujourd'hui face aux deux régions de la Guinée et du Sénégal font que stratégiquement aujourd'hui Kenyeba doit être érigé en région. Cela est un défi politique pour que la stabilité puisse régner dans cette zone. Le deuxième élément qui nous amène, je ne suis malheureusement pas de Kenyeba, mais je peux dire que mon professeur est de Kenyeba. Mon beau-frère Fodé Koulibaly, entrepreneur à Bamako, qui marie ma petite sœur, est de Kenyeba. Donc je me retrouve être de Kenyeba par les faits. Donc j'adopte Kenyeba. Mais le combat que nous menons n'est pas un combat pour Kenyeba. C'est pour la souveraineté de l'Afrique, la souveraineté économique de l'Afrique. Mais le combat prend son origine à Kenyeba. Toutes les mines que nous avons répertoriées plus de 14 mines. Mais la majorité se trouve à Kenyeba. Et Kenyeba se trouve dans cet état piteux. Je dis piteux. C'est dommage. Que nos responsables n'aient pas compris que la convention qu'ils ont signée, qui nous exproprie, est à l'origine de cette pauvreté extrême. Donc nous avons décidé, par la loi 04051, portant organisation de la défense stratégique de la nation, qui est le devoir du président de la République aujourd'hui, dans le cadre du respect de son serment, de la constitution et de la loi, de respecter cette loi 04051, qui dans son architecture permet d'aller à la mobilisation générale parce que l'État est menacé et on est sous attaque. Dès lors que l'État est menacé et qu'on est sous attaque, l'article 20 de la Convention permet à l'État du Mali d'exproprier les mines. Nous avons cette possibilité de les exproprier parce que nous sommes en danger. Et cette expropriation nous permet d'aller à un rééquilibrage prévu par la Convention qui dit que nul ne peut être privé de ses moyens de subsistance. Ils n'ont pas le droit de venir à Kenyeba, ramasser l'or de Kenyeba, aller refiler au New Jersey et vous laisser que de la misère. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La règle de rétention qui a été validée en 2008 sur 13 États du Sahel pour contrer l'extrémisme violent a permis au professeur Niang de valider un modèle sur l'agriculture familiale pour la lutte contre l'extrême violent. Le modèle, il existe, nous avons mis à la disposition de l'État qui ne veut pas parce qu'ils sont dans la fraude, dans la dissimulation et en complicité avec les milliers qui sont dans ce même processus de la fraude. Et aujourd'hui, l'équilibre mondial voudrait que la France, qui est censée être notre ex-colonisateur, mais qui continue encore à nous coloniser économiquement, a une mainmise sur nos ressources à travers des multinationales. Et les multinationales sont dans la fraude, dans la dissimulation et dans la corruption et le blanchiment de l'argent. Et l'OCDE a instruit au monde de rayer ces multinationales de la carte du monde. C'est François Hollande qui le disait en 2013. Et nous disons aujourd'hui que Randgold est mort et Barrick va mourir. Soyez sûrs. Barrick va mourir parce que tant qu'ils ne sont pas dans la redistribution de la richesse, la réduction équitable de la richesse, souvent la clé de répartition qui permet d'avoir la stabilité, la paix et la sécurité, ils disparaîtront inévitablement. Donc nous sommes dans un combat, pas pour Kenyeba. Nous voulons affirmer la souveraineté de l'Afrique à travers les ressources. L'argent que vous manipulez aujourd'hui, le franc CFA, nous devons en sortir. Et la garantie, c'est l'or. Et nous avons fait une étude stratégique sur 6 mois glissants qu'on a appelé le programme d'urgence. Ce programme d'urgence aurait dû permettre à cette transition de prendre des décisions fortes qui allaient nous permettre, sur la base de l'or de Kenyeba, d'avoir notre souveraineté économique. Donc la souveraineté des ressources aujourd'hui est affirmée à Kenyeba. À partir de certains moments, Kenyeba est totalement dans la logique d'être une région, d'être un État-région, d'être autonome, de pouvoir avoir sur la péréquation établie 20% des ressources
et les zones qui sont à l'origine des mines doivent avoir au moins 5%. Ce qui veut qu'en capacité de rétention, vous aurez 25%. Dans nos calculs, Kenyeba peut avoir jusqu'à 150 milliards par an si ce calcul est effectué correctement. Et dans le cadre d'une préparation stratégique, ces 150 milliards pourront vous permettre de vous développer. Pourquoi vous demandez aux mines? C'est pour vous. Alors, le professeur Abdoulaye Niang est en ligne. Donc, on est là pour les Koba Sabali. Mini, moi je suis les Chinois. Parce qu'il y a des Chinois qui ont un bon fait. Les Chinois ont un bon fait. Les Chinois ont un bon fait. Ils ont un bon fait. Parce qu'ils ont un bon fait. Ils ont un bon fait. Ils ont un bon fait. Ils ont un bon fait. Anya soro sirate kanyaba anya soro jite kanyaba fal wotro de be jidulu kanyaba kono na obse ya ke chuli ni aja temine kanyaba ju furo ile kanyaba ga deudi parce que munu be ki jok kanyaba ga development famo de fo no yi kanyaba ju furo ile kanyaba ga deudi kanyaba ka otse ga ben fu fu ka bende na u bena ben e dem fla de wolo yere don Ali bere makoke ka don ki bura famille do kono ibe ka komi ke mo wala ko don do ka bisra ibi dam fa kini na ka mo ka ko tie ka mo bla ka bo parala ika miri don do la daw fa na bi fatu muna don do ami me ma ba we fatu muna don do amba fa mo ko mina minu fa na be mo ko be ku lu san fe ke ko bla ko kana ko bara o se ko bara wa ni en tu nge bla wala ble so la la na sira na don so kenya ko so Abi, comment dirais-je, vous nous dites des gens. Antonio, on est dans le minimum là. On est à fouiller des femmes. Minimum, on va donc, mais. En allant, on va la tienne. Quand on a du droit, vous faites un bras, on va défendre le bétien. Autre, ça va vous faire.